Si est-il en passant par la verrière de l'appartement qu'ils l'ont brisé pour pouvoir s'y introduire que les trois individus qui ont cambriolé le domicile parisien de Vincent Cassel ont cru pouvoir lui dérober du matériel électronique. Alertée, la Sûreté urbaine de Paris a interpellé le trio à proximité des lieux, fuyant par les toits aux alentours de 4 heures du matin. Cambriolage chez Vincent Cassel, l'acteur et sa famille absents au moment des faits. Les dégâts sont heureusement seulement matériels, après le cambriolage au domicile du 20e arrondissement de Paris de l'acteur Vincent Cassel. Absent dans la nuit du 21 au 22 août, alors que son appartement était entièrement fouillé par trois individus, il n'a pas été victime directement, ni sa femme et sa fille Amazonie. La verrière de son logement a été fracturée, a précisé une source proche de l'affaire relayée par Le Parisien. Et si est-il probablement par là qu'ils sont entrés? Vincent Cassel était absent au moment des faits, son assistante a été contactée pour qu'il puisse faire l'inventaire de ce qui a été dérobé, a précisé cette source. Les trois malfaiteurs ont quant à eux été présentés à la justice ce mercredi, l'un d'eux majeur, comparaît ce jour sous le régime de la comparution immédiate tandis que ses deux comparses seront présentés au juge des enfants, étant mineurs. Tous trois ont déjà des antécédents en matière de vol, selon RTL. Ce n'est pas la première fois que Vincent Cassel est victime d'un cambriolage, en 2009, pendant la cérémonie de clôture du 62e Festival de Cannes, des voleurs s'étaient déjà introduits par une terrasse de son domicile, et avaient dérobé 80 000 euros de bijoux, deux ordinateurs et le passeport italien de Monica Bellucci, qui était alors sa compagne.